Et à tous les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est Zenialou. On est parti sur une petite partie de chasse tranquille. On va coucher le chien. Je crois qu'il m'a vu, donc ça va être mort. Ok. Attends, il est à combien de distance? 150 presque, ok. Je ne sais pas du tout, non. Le cœur est loupé. Ça va être chaud pour l'avoir. Alors il est que à 200 mètres. Hein. C'est possible de lui mettre une deuxième. Ah c'est trop bas. C'est beaucoup trop bas. Bon. Ah, écoutez, c'est loupé. Je sais pas si c'était l'arme adaptée, en tout cas. Normalement oui, mais bon. Des fois ça a du mal. Personne. On va changer de spot. Parce qu'ici c'est. Ici c'est assez triste. Il n'y avait que du gnou. Je pense pas qu'il soit tombé. Hein. Non, il est pas tombé. C'est dommage. Il y aura une belle tache ici. On va quand même aller scruter un peu le terrain. Petit coup doux. Ah, je me ferais bien un petit coup doux, ça fait longtemps. Hein. Alors c'est dommage que le gnou attaque pas, il attaque pas trop. Je trouve que c'est un animal qui aurait plus de... En réalité, quoi, qui aurait plus de capacité à attaquer pour se défendre, on va dire. Mais non, en fait. Dans le jeu, il attaque pas trop. Hein. Le gnou... S'enfoncer là-dedans, ça sert à rien. On voit rien. C'est jamais, hein. S'il y a un petit lion qui passe par là... Un petit lion qui soit du matin. Ce serait pas mal. Alors le chien, est-ce que tu peux pister quand même? Ok. Le chien trouve rien. C'est quand même étrange que je l'ai même pas touché en fait alors. C'est incroyable. Mais écoutez les amis, je l'ai même pas touché donc c'est quand même fou. Je pensais vraiment l'avoir touché. On va se TP ailleurs. On va voir ce qui se passe parce que là, il y a beaucoup de sang. Il y a peut-être trop de sang.
Il y a peut-être trop eu de victimes dans cet endroit-là. Du coup, ça a du mal un peu à revenir, je pense. Peut-être que c'est pas la bonne heure. En tout cas, on va aller sur un autre spot, on va prendre un peu de balles. On va acheter un peu de balles. Alors, on y est déjà. Hop. À 338. Il faut plus de balles. Alors, hop, bah c'est bon. Stockage. Nickel. On a deux types de balles. Et la 243. Par contre, je sais pas si je vais pas prendre la 270 à la place de la 243. Parce qu'elle a un shoot assez faible, j'ai l'impression. On la 270. On va tenter la 270 avec les balles qui vont avec. Hop. À la 270, ça devrait être mieux, je pense. Alors, on va se mettre ça en place. Balle. Et la mire. C'est pareil, hop. Non, ça marche pas. C'est bon. Nickel. Alors de loin, des fois, il faut se méfier parce que du coup, ça n'a pas trop d'importance, on va dire, en termes de gibier, parce que plus on se rapproche, plus ça peut spawn, je pense. C'est que mon avis personnel. Parce qu'on peut avoir des bonnes surprises, en se rapprochant. Mais faut pas se rapprocher trop vite, évidemment. Évidemment, les amis. On va essayer de se poster là, dans le petit abri. Et je vous reprends tout de suite. Alors, me revoici, les amis. Posté dans un petit abri. Petit affût terrestre. Alors, on a un petit gnou bleu là, en face. Donc, je pense pas qu'il y ait de lion, du coup. Sinon, il serait pas là. À moins qu'il soit un peu plus loin. Alors. Calme. Ça gambade. Alors il est un peu loin, je pense que si je l'appelle il viendra pas. C'est quasi sûr. C'est une petite femelle toute seule. C'est d'ailleurs bizarre. D'habitude ils sont en troupeau, ces animaux. Donc on est arrivé sur le spot comme vous le voyez. Mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Je pense que je suis pas à la bonne heure. Attendre un petit peu, on sait jamais, hein. Faut être patient. Pas mal de terrain. Alors, notre gnou, est-ce qu'il s'éloigne? Ou est-ce qu'il se rapproche? Ouais, elle a disparu. Elle a complètement disparu. Ah, elle est là-bas, je crois. Non. Non, bah écoutez, on va mettre quelques coups d'appôt. Alors, petite femelle gnou apparemment ici. Je la vois pas. J'ai perçu son bruit, mais pas sa silhouette.
Mais elle est juste là. Hein. Donc, je pense que s'il y a du gnou, il n'y aura pas de lion. Il n'y aura pas de lion dîner ce soir. Elle est juste là, hein. C'est sûr. Alors, on va quand même scruter à droite à gauche. Reste vigilant parce que ça peut popper à certains endroits. On ne sait jamais. Bon. La petite femelle, elle veut rester cachée. Eh ben, on va aller la chercher. Let's go. Vous allez voir, hein, je vais tirer. Comme par hasard, on va entendre un lion qui va se barrer. Ça, c'est ma routine, ça. C'est pour ça que avant, on va quand même se méfier. Alors, elle est où la petite femelle? Oula. Je n'avais pas vu celle-là. Bah alors là, franchement. Ah bah. Je comprends pas là, franchement, elle était là, hein. C'était, c'est sûr. Il y a eu un cri il y a 1 minute. Juste après la pause. Donc là, franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, les amis. C'est la galère. Écoutez, j'en sais rien. Ah, du petit coudou. Non, du springbok. Ok. Ok, 1 km. Bah, ils sont loin. Hein. Donc, ça veut dire qu'on peut quand même avoir du pop sur 1 km de distance. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Ce serait incroyable si j'arrivais à mettre un tir à 1 km. Il faut absolument que j'essaie. C'est pas 1 km en fait, hein. C'est 340. Okay. Je vais essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Let's go. Je suis vraiment loin. Mais on sait jamais. Je suis à plus de 300 mètres, donc il va falloir que je lève un tout petit peu. Non, ça retouche pas du tout. Elle a même pas vu la balle. Ok. Bon, je pense pas que ça ait touché. Hein. Alors, il y avait déjà une tâche, faut le savoir. Donc, et là, je viens de le spot ici, donc. Bah, il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé, je veux dire. C'est pas grave. J'étais à 300 mètres. 350, presque 350 mètres. Et c'est bredouille, hein, pour l'instant. Franchement. Même le gnou, là, il a disparu. Champ de vision. Donc, écoutez. Il devait être à 1 km, je pense. Ouais, ça fait 1 km. Je pense. Ouais, c'était trop loin. C'était beaucoup trop loin. Je me suis trompé sur la jauge. Ok. Écoutez, ça arrive. On va essayer de spot un autre endroit.
On va essayer d'aller spotter ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme lieu qu'on n'a pas fait depuis longtemps? Là, il y a du gnou bleu. Il y a beaucoup de James Bond. Ok, James Bond. Ah, du Lyon, de midi 30 à 15h. Bah écoutez, on va aller là. On va aller là. On va se mettre ici. Donc de midi 30 à 15h, on va se reposer. Il est quelle heure là dans le jeu? On va regarder ça tout de suite. Je pense qu'il doit être 9h30, 10h. 10h, peut-être. On va voir ça tout de suite. Oula, déjà ici. Ici déjà. Il y a du lion. Il est quand même loin. Hein. Il y en avait un autre là ou quoi? Mais il est 10 heures que il est que 10 heures dans le jeu et il y a déjà des lions. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Par contre voilà, j'ai tiré, j'aurais peut-être pas dû. Je pense que c'est le fait d'avoir spawn ici, ça a fait du bruit. Je pense. Ah quel dommage. Ah si c'est difficile. Ah la vidéo fail. Youhou! Ah, on va peut-être avoir une petite cible. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a? N'y a pas que les lions dans la vie, hein. Faut changer un peu des fois. On a que des femelles. Ok, un troupeau de femelles. C'est incroyable ça. Pas un seul mâle. Ok, bon, on va tirer. On va tirer mon copain. Let's go. Là, ça, là, c'est obligé que ça. Attends. On va pas faire de conneries. Ils sont à 168 mètres. On va se rapprocher un chouïa. Alors, est-ce qu'il y a du mal? Il n'y a pas de mal. Il n'y a même pas un mal avec eux, c'est fou ça. Ok. Ah, j'étais à 300 mètres, mais je suis vraiment bête. Ah bah c'est bon, c'est tombé. Je voulais en tirer un autre, mais... Une autre, mais... C'était sûr qu'elle serait barrée, hein. Attends, elle est bien tombée, j'ai pas halluciné. Je la vois pas. C'est ça? Non, c'est pas ça. Non, elle est pas morte. Si, elle est morte. Bonne nouvelle. Bon, j'arrive pas à pinguer, c'est pas grave. Bonne nouvelle, on va aller chercher ça. On partira pas bredouille. Même pas si j'ai tiré avec la bonne arme en plus. Je crois pas, hein. Ah la fifille. Putain, elle est belle, hein. Elle est vraiment belle. Incredible. Let's go. Or, trophée or. Voilà, petite femelle magnifique. 1066 d'argent. Un 3 très facile. On est monté à 72 000. On est bien. Très bien tiré. C'était chaud, hein. Bon, les pinières. Thoracique. Oh là là. Poumon droit. Je l'ai éclaté, en fait. Ses copines, elles sont pas contentes. Alors, on va le féliciter. Comme il se doit. C'est la famille. C'est la famille. Let's go. Ah, c'est du gnou, là, cette fois.
Ça, il a coupé la main. Je crois. On voit rien. Ah, il y a du lion. Ok. Mec assez bête pour sauter, c'est moi. Moi, je pense que le lion, de toute façon, il s'est barré. Le gnou avec. Pas sûr, c'est pas sûr. Ouais, bah écoutez, le gnou va se barrer. Ça c'est sûr. Alors, il y avait du lion. Il y avait du lion. Après, de toute façon, j'irai me reposer pour revenir à la bonne heure. Pour revenir à l'heure du lion, les amis. Parce que là, il y en avait un, peut-être ou deux, mais je pense que comme c'est pas l'heure, et vu qu'il y avait du gnou, il n'y aura pas de lion, c'est sûr. En tout cas, on a eu un petit bock, un petit James Bock, au calme. Ça fait plaisir. Il y en a plein là encore. Ah bah voilà, un 4 facile. Un petit mal. Un 3 facile. Très facile, je veux dire. Et bah voilà. Ouais, donc c'est pas l'heure, hein. C'est pour ça qu'il y a encore tous les troupeaux là qui se promènent. Voilà, il y a les gnous, ils sont là. Tranquille, en train de se reposer. Attends, il n'y était pas cette tâche là. Attends. Je vais voir. Il est mort mon gnou là, je crois. Je crois que le gnou que j'ai tiré est mort. Je crois qu'il est mort, les amis. Let's go, on va voir ça tout de suite. Alors, piste. Il faut qu'il trouve le sang, il est juste là. Il est sérieux, lui? Ah, merci. Faut pas te dépêcher un peu, frérot? Ah, ça fait plaisir. S'il est tombé, ça fait plaisir. Il ou elle, je me rappelle plus. Je crois que c'était une femelle. Alors, comme j'étais à droite, à gauche. Mais là, c'est calme. Ah. Un gnou. J'ai vu la queue du gnou. Allez, piste, fusil, piste. On dirait qu'il est pas tombé, c'est bizarre. On dirait qu'il est vraiment pas tombé, il est toujours à 7500, donc je comprends pas. Je comprends pas trop. Piste une fois, vas-y, piste. Hein. Piste fusil. Hein. Il y a de quoi faire, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Cette map est fourmi de toutes espèces. De toutes espèces.
Ouh, du petit lion. Le problème, c'est qu'avec la petite savane qu'il y a là, on ne le voit pas. Ah! Petite liane. Il n'y aurait pas le temps de la tirer, je crois. Ouais, ça sert à rien, je pense. On va la garder, celle-là. On va déjà se concentrer sur cette proie là qui devrait être tombée. Il n'y a plus de sang. Ah, un piste une proie. Maintenant, il n'y a plus de sang, donc il est parti. Hein. Alors, c'est quand même étrange parce que il y a quand même la tâche qui est là au milieu là-bas. Donc, je vais pousser. Je vais. Il y a encore du. Oh là là, mais il y en a partout. C'est incroyable. Cette map est incroyable. Là, j'ai pas le temps là. Il est 13h14 et j'ai malheureusement des trucs à faire. Je peux essayer quand même, hein, ça coûte rien. Oh merde! J'ai carrément loupé mon tir. En fait, je suis essoufflé. Et du coup, j'ai aucune tenue en fait, j'aurais dû attendre. J'ai aucune précision le fait d'être essoufflé. J'avais oublié ça. Bien. On va quand même essayer de pister une dernière fois. Parce que c'est quand même étonnant qu'il y ait ce sang là. L'impression qu'il y a plusieurs taches de sang. 50-75, d'accord. Donc c'est bien celle qui est tombée. Normalement, c'est celle qui est tombée. Comme ça, il n'y aura pas de gaspillage. On va récolter. On va récolter, on va récolter, on va récolter. 25-50, d'accord. On est bon. Il y avait un lion aussi, apparemment. Ok. Ça, c'est cool. Parce que je crois que je lui ai mis qu'une balle. Hein. Oh, mais non! C'est le lion! Mais what? Il est tombé! Bien tiré! Or! Magnifique, les amis! Mais voilà! Voilà comment je voulais terminer cette vidéo! Oh la chance que j'ai eue, parce que j'avais mis l'arme à 300 mètres et j'étais que à combien de mètres j'étais? C'est où est-ce qu'on voit? Distance 400 mètres. Ah non, bah je l'ai super bien tiré, j'ai eu de la chance. 400 mètres. Wesh. Cher poumon droit. Or, trophée or, magnifique. C'était encore quelques temps, c'était un diamant. Ah franchement. Ça fait super plaisir. Je m'y attendais pas. Je pensais l'avoir loupé, hein, sincèrement. Et je pensais avoir pisté le gnou. Oh, le chien, il est relou. Et ben voilà, nickel. Va te calmer, toi. Couche-toi, là. Voilà. Félicité, quand même. Bah, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Ça fait super plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. À très bientôt. C'était Zenialou. Ciao, ciao.